Salut tout le monde, c'était Directeur, bienvenue sur la chaîne Craft of Duty 17. Aujourd'hui, la deuxième vidéo pour la découverte du pack Vengeance. Et c'est sur Uplink la réplique de ce mythe. Alors, bon, bah, vous doutez bien que les maps BO1, moi j'adore ça. Et donc, je suis très heureux qu'ils les remettent. Donc, c'est quand même la troisième qu'ils remettent. Et donc, c'est vraiment très bien. Et en plus, en point strat, dans mon mode de jeu préféré. À la MSMC, soyons fous. Donc c'est une partie enregistrée hein, parce que j'ai fait ça hier soir et donc j'avais pas le temps d'enregistrer de commenter en live. Bon après ça change rien hein. Je vais faire un plutôt une bonne partie hein. Sachant que je ne connaissais pas les points strat alors que les autres connaissaient. Alors je veux pas dire mais ils ont dû jouer pas mal de fois. Et donc, oui, il y a mon petit Todd. Coucou Todd. Allez, la charge électrique. Allez, je me suis fait tuer. C'est pas grave. Par Fuse Dog. Donc, franchement, c'est exactement la même map. Sauf que c'est pas sous la neige. Et mais par contre, j'ai un truc que je comprends pas tellement. C'est pourquoi ils disent que la map se situe en Birmanie. Quelqu'un peut m'expliquer la doublette? Laisse le point strat et là dommage. Alors mais pourquoi en Birmanie? Ils ont rajouté des trucs, c'était pas du tout ça. Alors soit on fait une réplique parfaite, soit on n'en fait pas. Mais là, excusez-moi, mais pourquoi ne pas avoir mis de la neige? Pourquoi? Déjà que sur Black Ops 2 il n'y a pas beaucoup de maps enneigées, il y a juste Dawn Hill. Et encore, faut avoir le pack Révolution. Et là, il nous sort une map sans neige qui est à l'origine avec la neige. Et ça, je trouve ça dommage. Bon, après, ça n'empêche rien. Elle est toujours aussi bien cette map. Aussi, je crois qu'ils ont bougé le téléphérique. C'est plus le téléphérique. C'est genre une grue qui transporte un mini-container et tout. Puis les containers, c'est les mêmes que dans Cargo. Et franchement, voilà, voyez, regardez, c'est ça. Le téléphérique, c'est ça. Arrêtez. Non mais, n'importe quoi, quoi. Non mais, sinon, elle est vraiment très bien. Il y a juste ça que je comprends pas tellement. Je change d'arme parce que j'en ai marre. Et j'ai essayé, on peut aller sur la tour. La petite tour, en passant par là, par le haut, là. Donc, comme dans l'ancien. Alors là, on n'oubliera pas les petits campeurs. Et ce qui est original, ce qui est bien, c'est que dans le Summit, dans la map Summit de Black Ops 1, enfin dans Black Ops 1 même, il n'y avait pas le point stratégique. Et là, c'est vraiment très bien. Je pense que c'est une map qui est plutôt faite pour le point strat. Alors là, par contre, les spawns sont toujours assez marrants. Donc voilà, ça se passe en Birmanie. Et ça m'intrigue, franchement. Je ne comprends vraiment pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc la MP7 fait un petit carnage. J'ai pris une clé mort en hommage à Black Ops 1, car c'est vraiment cette map qui faisait plus de kills à la clé mort pour moi. Assez bizarre. Puis Black Ops 1 c'est quand même la clé mort. Alors que maintenant c'est plus trop utilisé, mais tant mieux hein, parce que moi j'aimais bien Black Ops 1. Ah nostalgie, nostalgie. Mais je préfère quand même Black Ops 2. Pas un jour on mettrait peut-être à Black Ops 1 juste pour déconner. Franchement c'est très bien. Hop le mec le voit juste là. Il y a quand même un. C'est quand même Black Ops 1, c'est quand même le jeu par excellence où on s'amuse en fait. Parce que Black Ops 2 et tout, il y a un peu de pression. Vous verrez, personne rager sur Black Ops 1 parce que c'est pas cheaté. Franchement, c'était une bonne communauté. Puis les maps étaient franchement extraordinaires. J'espère que dans le prochain pack, ils vont nous mettre une autre map de Black Ops 1. Et pourquoi pas
Pourquoi pas, genre une map zombie, genre Five ou Kino Der Toten. Et une map multi, genre Lavana, j'aime bien. Et ça, franchement, j'aimerais bien et je l'ajoute. J'y jouerai sans aucun problème et ça sera le dernier pack donc. Et après, on passera sur PS4. Donc voilà, et puis je sais pas si je vais m'acheter. En fait, j'hésite. Je pense que peut-être que je vais m'acheter les Battlefield 4 et Call of Duty Ghost. Les deux. Soyons fous. Bon, après, c'est peut-être un problème de financement. Hein, on sait jamais. Mais ouais, ça me tente bien d'essayer les deux. Tranquillement. Hop, ça pourrait être très très sympa. Bon, après, voilà, faut avoir le financement. Ce qui est bien dommage, si quelqu'un veut me faire. On peut faire. Des dons. Faites des dons à la chaîne Craft of Duty 17. Faites-vous plaisir. Non, non, je rigole. Enfin, vous pouvez, remarquez. La quadruplette au foudrement par un de mes coéquipiers. Félicitations. Donc, franchement, cette map, je prends un pied total. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, j'ai essayé aussi la map Cove, qui se passe sur une île déserte. Alors franchement, celle-là me fait penser énormément à Crysis dans Black Ops 1 et je crois qu'ils en sont très largement inspirés. Et j'adore. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Il restera la map Détour après. Après, on aura fait le tour et il manquera plus que la map Buried en zombie. Reste plus qu'à trouver des gens pour jouer avec moi. Vous voyez cette tour, on peut monter tout en haut. La première fois j'ai galéré, puis après j'ai réussi, donc je me suis dit que la première fois j'étais bourré en fait. Alors là c'était le spawn. Sur Black Ops 1 j'arrivais à les maîtriser, mais là j'ai pris cher. 158, 124. Bon, franchement une très bonne map. La nostalgie y revient. J'adore. Bon, là je suis parti un peu dans tous les sens avec une falle. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais à la falle? Tu te crois sur la map proche ou quoi? Les petites bêtises bondissantes. À l'origine, je les avais pris pour faire un glitch avec Benji 13 du 17. Mais en fait, il m'a trollé. Enfin bon, je vous expliquerai ça plus tard. Alors, le mec il spawn ici. Je n'ai pas compris, le C4 non plus, je comprends pas où il est. Je prends la vidéo, hop, et là, d'ici, ça me tue plutôt. Voilà, moi, hablar français, muy bien. Voilà, plus que 2 minutes 10. Je sais même plus si on va avoir 250 ou pas. Ah, ici, j'adorais. Sur Black Ops 5, je campais un peu, mais j'étais jeune. C'est pour ça. Jeune et insouciant. N'empêche, c'était vraiment très très bien la commando, la K47. Hop là, le cut qui passe pas. N'importe quoi. N'importe nawak, comme on dit dans le métier. Et donc, franchement, cette map est nickel. Même si on a perdu, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pour découvrir la map. Donc, je la découvre en même temps que vous, hein, c'était ma première partie. Bon, celle-là, je connaissais la map, donc évidemment, moins de surprises. C'est sûr, c'est sûr. Donc, je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo sur la map Cove, qui se passe donc sur une île déserte et qui est très, très, très sympathique. Et franchement, je pense que si on doit faire un plus de 100 kills, ça sera sur cette map, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Elle est petite, mais en étant assez large. Et franchement, c'est parfait. Multiples endroits pour contourner, pour faire le bac. Franchement, parfait. Donc si je devais donner une note à Uplink, je lui mettrais 9 sur 10. Pour la neige. Parce que ça, je comprends pas. Et pour la map d'avant, je mettrais un 6. Un 6 sur 10. Voilà. Voici mes notes. Je suis un fou. Je suis un prof, c'est les vacances, alors on oublie les notes, s'il vous plaît. Voilà. Donc, bah voilà, cette vidéo touche à sa fin.
Je fais un plutôt bon score, même si je n'ai pas vu ce que j'avais fait. Mais c'est pas grave. Donc, à bientôt. On se retrouve pour la découverte de la prochaine map. Et si vous êtes intéressé pour faire un buryade avec moi, vous me le dites. Allez, ciao ciao!